Bazinga! On se retrouve les amanches pour un nouveau stream The Big Gamoski consacré au shmup. Regardez comment ça se passe. Piu piu piu. Méga piu piu. Et super piu piu The Raging Bull. Donc si vous comprenez couramment le japonais, déjà vous avez un avantage que je n'aurais pas pour ce jeu que je ne connais même pas, qui s'appelle Change Airblade. Ça sort d'un studio moyennement connu, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai vu l'afficher tout à l'heure, mais je l'ai déjà bouffé. Et c'est sorti dans les années 2000, hein, il n'a même pas 20 ans ce truc. Ce qui fait qu'on a un soft qui est super jouable, qui m'a l'air un poil speed sur mon Emurom, donc je vais peut-être un peu pleurer du sang. Mais c'est tellement accrocheur que comment vous pouvez résister à ce genre d'appel? Je vous pose la question. Je vous laisse voir une deuxième fois la démo, puis on y va. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le jeu, on voit clairement qu'il est japonais, puisque la jauge, pour être remplie, se déplace de gauche à droite. C'est assez rigolo, ça. C'est un peu comme les cases à cocher sur ordinateur, oui, non, qui sont pas dans le sens que... Qu'anticiperait un Européen. Trêve d'anecdotes croustillantes dont Inkins lui-même a transmis le savoir. Ça peut être temps d'aller mettre les pattes dans le moteur et de se salir un peu. Oh, trop de choix, mes amis. On va commencer par support défaut, hein, comme ça je pourrais dire que c'était pas le bon. Ce n'était pas celui que je voulais. Alors j'ai trois boutons, donc j'ai un tir principal qui va être là, on va dire. Je vais les essayer dès le démarrage. En tout cas, c'est très SNK comme ambiance et comme présentation, hein, c'est rigolo. Hein. Go. Oui, j'ai vu, c'est un ennemi. C'en est un. D'accord, mais en fait c'est un duel alors. Ok, ça marche très bien. Alors lui, il faut que je lui vide ses bonus pour pouvoir m'équiper et balancer du pruneau de luxe, de ce que j'ai compris. Wouhou! Ça va trop vite pour moi les gars. On va pas être amis. C'est assez original comme... Comme gameplay, du coup. Oui, tu es mort, c'est bien. Tu es mort, c'est chouette. Stage clear. Je connaissais pas cette façon de jouer du tout, là. Je suis surpris. On va regarder plus loin où ça nous emmène. Non, je ne tirerai pas sur ces bombes qui vont péter en morceaux. C'est pas écrit Mazo. C'est sympa ça, mais j'en veux pas. Voilà, ça, j'ai raté tous les bonus. Alors, est-ce que ma jauge est pleine? Oui, mais je vais attendre qu'il se transforme en Chichobello. Salut, Chichobello, comment vas-tu? Ça va bien jusque-là. Là, ça va mal se passer, je sens. Eh oui, Shazam. Voilà. Faut que je te finisse, toi. Quand le joueur se mord les lèvres, c'est que c'est en train d'être tendu. Ne te jette pas sous les tirs. Oh, la purée de boulettes qui m'a envoyé dans la tête. Alors je viens de manger une crête brûlée, donc forcément j'ai pas trop envie de boulettes là tout de suite. Hein. On recommence du début ce niveau ou pas? C'est ce qu'on va voir. Oui, abrège, 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 abrège. Et le turbo. Oh purée, j'ai gâché une bombe. Bon, ce sera fait. J'ai nettoyé les clans au moins, comme ça c'est propre. Ah, quel con.
Et oui, on se met bien dessous pour récupérer les bonus, mais des fois c'est un tir qui part, donc là, ça s'appelle l'instant déception. Désolé monsieur. Et non mais j'ai pas la patience ni le feeling pour. Oh putain. C'est passé, mais c'était un poil short. Amène la grosse carcasse là. Suivante. Non, tu es mort. Vraiment bizarre comme gameplay. Donc un battle sur un avion qui se transforme en différents boss à chaque niveau. Ouais, j'avais jamais expérimenté ce genre de truc. Le seul défaut du coup, c'est que c'est pas super glamour là, c'est. C'est un boss mode quoi. C'est un jeu qui est en boss mode. Je suis bref, c'est étrange. Trop bref pour être honnête. Je sens qu'il va me faire un coup de salopard. Merde, j'aurais dû mettre ma bombasse. Je suis perplexe. Je ne sais pas quoi penser de ce titre. C'est pas gentil ça. Laisse-moi revenir. Laisse-moi revenir. Venir, s'il te plaît. Ah, je vais recommencer le niveau du début. Bon, dernière tentative. Et on se fait le debriefing du capitaine. Ramasse ça. Ouais, non, mais c'est pas mon intention de lâcher mes bombasses. Je pense que je vais en avoir plus besoin plus loin. Oula. Merde! Pénible parce que du coup on aura pas mal de bonus à tout temps faire un peu gaffe sur ce qui arrive en haut. Je vais le taper des copains. Bon là je vais te bomber ta tronche. Soyons clairs. Direct. Cash. Cash investigation avec SBS Bussé dans son petit avion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris là les gars, la manip. Je me suis fait éclater, c'est le terme approprié. Ou alors je l'ai éclaté, je sais pas. J'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Bravo, tu as dévoyé le YF-222 Delta Edge. C'est-à-dire je vais piquer son avion. Mais pourquoi je l'ai pas moi? Mais si je veux piquer son avion, je joue avec. Ça sent la game over, donc pas très long. Et oh les gars, c'est un peu rapide. Hein. Non, 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 je ne passe pas moi à travers ça. Est-ce que je redémarre à ce niveau? Ça va être la bonne question. Si c'est pas le cas, je me crache volontairement. Parce que j'ai pas envie de re-affronter celui du début. D'accord, ok, on recommence d'ici. Voyons voir, assouvissons notre faim de curiosité et ce besoin éternel de savoir quel sera le prochain boss qu'on nous réserve avec ce tir complètement pourri acheté chez Carrefour en promo au rayon slip et chaussettes trouées. Non, j'exagère, en fait le vrai nom c'est le rayon chaussettes que tu payes super pas cher mais qui font trois lavages. Ouais, vous avez tous acheté des chaussettes Carrefour, avouez. Et oui. Carrefour, on se fout jamais de votre gueule. On vous offre que du matériel qui correspond à vos moyens. C'est-à-dire de la merde en général. C'est bien ce qui est. Pazette. Il commence un peu vif ce pattern, je trouve. Il était un poil agité du slip là.
que ce jeu est très très bizarre, j'arrive pas à le définir. C'est à moitié du rush mode de boss. C'est un petit peu du shoot, mais tellement peu du coup, parce qu'il n'y a pas d'autres intervenants particuliers que Mouchillon en plus de la victime principale qu'on poursuit tout le long. Bah, je vais vous laisser vous faire votre propre idée, c'est la première fois que ça arrive où je ne peux pas émettre un avis du tout sur un jeu. Faudra peut-être que je me le tape dans mon coin en entier, mais j'ai peur qu'il ne me plaise pas, parce que moi, faire juste du rush mode sur du boss, c'est pas mon kiff principal, quoi. Je sais pas. En tout cas, il a aucun argument pour dire qu'il est mauvais, ça c'est très très clair. Je vais donc vous laisser sur la démo s'il veut bien se remettre en démo de ce titre, même pas. Je vais le relancer, hein, ça sera plus simple. Même pas. Un petit plantage, c'est super, j'adore. Voilà, Change Air Blade. Bien sympa à essayer. Donc c'est édité chez Samy. On se retrouve pour un prochain stream. Je vais essayer de trouver un autre jeu. Enfin, c'est pas je vais essayer de trouver un autre jeu. Je vais vous trouver un autre jeu streamable dans un autre genre. Hein. Parce que les shmups, je pense qu'on a bien avancé cette semaine. Vous n'avez qu'à regarder la playlist si vous êtes curieux. Dans Big Gamowski, il y a une petite playlist qui est dédiée shmup, je vous le rappelle, qui vous permet d'explorer rapidement tout ce que j'ai déjà pu vous partager. Et c'est pas fini, là je pense qu'on n'en a même pas fait le tiers à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a des jeux que moi j'ai adoré et que je n'ai plus et que je n'arrive pas à retrouver. Donc c'est dramatique. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter parce que je ferai peut-être des appels à l'aide à des moments pour ces fameux jeux qui sont des must-have et que, ben oui, je l'admets, je ne suis pas capable d'avoir gardé. Honte à moi. Des bisous, éclatez-vous bien à jouer, essayez ces jeux de boulettes, il y en a toujours un qui sera plus adapté pour vous. Et on se retrouve pour le prochain stream, tout simplement. Ciao!